Bonsoir à toutes et à tous, et quel plaisir évidemment de vous retrouver pour un nouveau grand rendez-vous, un nouveau grand match de foot à vivre ensemble. Ici Benjamin Da Silva, accompagné de celui que je considère comme mon tonton, le grand Omar Da Fonseca, pour vous immerger dans ce match. Dans quelques secondes, le coup d'envoi de ce match de championnat, et on le devine déjà dans l'atmosphère générale, c'est un match magnifique qui s'annonce. Et oui, on est là pour discuter, crier, applaudir, c'est ça le football. Le football, sa parole, c'est pas du football. C'est le premier ballon dans ce match. Voyons donc l'équipe d'Écosse. Il n'y a pas de vérité. Tous les styles de jeu sont intéressants. Là, on va avoir un style classique avec ce 4-3-3. Et finalement, l'avantage ne profite pas à l'attaque. L'arbitre revient donc à la faute initiale. Le bon centre au deuxième poteau. Un peu d'oxygène maintenant avec ce long dégagement. Il faut tenter sa chance. Oh, la parade de la gardienne. Un corner bien joué, bien frappé. Le tir à la parade, mais le danger est toujours présent. Et c'est une remise en jeu à venir. Le Portugal va débuter avec l'équipe suivante. Dans les manuels de football, c'est ça le 4-3-3 conventionnel. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. La frappe. La frappe a beau être relativement proche du but, c'est sans danger. Effectivement, et ça sort en 6 mètres. Martha Thomas. Ah, bonne progression, balle au pied. Oui, le tir. Oh, l'arrêt, mais ce n'est pas fini, attention. Ah non, l'occasion était bonne, mais le ballon lui échappe. Très bonne parade qui vient sauver le nul sur cette action. Ouais, superbe défense. Ah, le corner bien tiré. Ah, le ballon est dégagé. Ah, la frappe part plutôt bien. Bonne intervention pour éloigner le danger. Bon positionnement, le ballon est récupéré dans le camp adverse. Et le centre bien capté par la gardienne. Sur le côté, un bon coup à jouer peut-être. Attention pour mener au score peut-être. Tout ça pour finir dans les gants. Je ne crois pas que c'est comme le plan, c'était... Et il n'y a pas de plan en fait. Des solutions en attaque là. Ouais, facile, ça passe. Oh, ça peut aller au but. Oh, la super intervention et donc ce face-à-face est manqué. C'est toujours comme ça dans un duel. Tout se joue dans la tête. C'est bien parti pour ce corner. Cette offensive n'ira pas plus loin. Le ballon est perdu. Bon pressing, très bonne récupération. Et c'est au fond, le premier but de la rencontre, largement mérité après une nette domination. Parfois, je me demande comment les entraîneurs ne deviennent pas fous. Moi, je vois ça
je deviens fou. Tu as un ballon en défense et pour une raison mystérieuse, tu le rends. Et derrière, bien sûr, tu te fais punir. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Tatiana Pinto. À l'offensive se poursuit sur le côté. Ah, il faut arrêter le jeu pour permettre aux soigneurs d'entrer sur le terrain. Et le match reprend avec cette balle à terre. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Ah, il y a faute, mais avantage. L'arbitre là, elle fait signe de continuer. Hanson. Martha Thomas. Le ballon est intercepté. C'est une bonne récup. Ballon en profondeur. Eh oui, signalé en position de hors-jeu. C'est récupéré par l'adversaire. Il y a du soutien en attaque. Et le centre en retrait dans la surface. Ah, et bel arrêt, mais ce n'est pas fini. Tranquille. Et oui, un arrêt finalement assez simple pour conclure cette séquence. À noter cette première intervention absolument magnifique, mais qui n'avait pas tout à fait mis fin à l'offensive. C'est maintenant chose faite. Et oui, le tir, frappe contrée, le danger est toujours présent. Vers l'intérieur pour aller provoquer, balle au pied. Et le tir part bien. Et un arrêt qui fait du bien. Le corner. Ballon facile à capter, sans aucun danger. Sortie en touche. Tatiana Pinto. Corsi. Et on s'arrêtera donc là-dessus. C'est la mi-temps de ce match. Et c'est parti, le coup d'envoi de cette seconde période. Ouais, bien joué, pas de faute là-dessus. Il y a du soutien là pour attaquer. Ah, le ballon intéressant. Le tir est puissant, mais le 1 contre 1 est perdu. Il faut garder toute sa lucidité dans son genre de situation. Et un changement donc. Ouais, bonne anticipation, c'est bien défendu. Et c'est bien donné dans la profondeur. Ouais, il y avait de l'idée dans cette attaque, mais le ballon est perdu. Et voilà, une bonne option de contre-attaque.
Marta Tomás. Très bonne progression, balle au pied. Oui, bien placé là. Oui, la parade. Eh oui, la bonne passe en profondeur. Le hors-jeu est signalé. Et voilà, le changement s'effectue. L'ouverture en profondeur. Et oui, c'est au fond des filets. Ce but donc leur permet de revenir dans ce match. Quelle était dangereuse cette passe. Vous voyez, la passe vers l'avant, c'est elle qui vient casser les lignes. Et à la conclusion, il y avait plusieurs options, mais une frappe qui vient du cœur à mi-distance, comment ça, c'est absolument imparable. Escort de parité avec ce but inscrit, un partout. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Coup franc, faute signalée par l'arbitre. Voilà qui est bien défendu, c'est bien joué. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Et peut-être une option pour une contre-attaque. Un corner peut-être pour prendre l'avantage. Voilà, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. Un corner qui est bien ajusté. Oui, bien joué, bonne intervention défensive. Et le ballon vers la surface de réparation. Et c'est récupéré sans aucune difficulté par la défense adverse. Et voilà une occasion complètement vendangée avec ce ballon qui part très très haut dans les nuages. Encore dans les nuages, c'est poli. Même pas sûr qu'on retrouve le ballon. Et le changement va donc avoir lieu. Bonne intervention. Et le ballon est repris. Il y a du soutien en attaque. Au second poteau. Voilà le centre. Ah non, la gardienne là qui s'empare du ballon. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Marta Tomás. Un peu d'oxygène maintenant avec ce long dégagement. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Ah, la mauvaise passe directe sur l'adversaire. Et ici l'occasion pour mener. Quelle intervention! Et le ballon est dégagé, c'est donc une touche. Et on lève la tête là, peut-être un centre. La défense renvoie et se donne un petit peu d'air. Ah, jaillissement très haut, le ballon est récupéré et c'est sifflé, c'est hors-jeu ça. Les deux équipes le savent, marquer maintenant, c'est le moment idéal. Oui, la frappe ! Tir puissant, mais ça frôle le montant. Avec Lisa Evans. Olé, le bon mouvement. Du monde disponible à la tombée du ballon. Ah, le bon réflexe là.
L'entraîneur met la fraîcheur avec ce changement. Le centre dans la boîte, dans la surface de réparation. Allez, hop, c'est dégagé, on prend pas de risque. Ouais, ballon récupéré grâce à cette interception. Un bon contre à jouer peut-être. Vu le contexte dans cette rencontre, un but maintenant et c'est la victoire assurée. Bien joué de la part de la défense, le danger est écarté. Elle est merveilleuse cette passe. Allez, il faut bien exploiter ce ballon. Oh, c'est dedans ! Le but décisif ! Peut-être le but de la victoire dans les dernières minutes. Quel match incroyable ! Et cette fin de match avec un but qu'on n'attendait plus et qui vient leur offrir la victoire après tant d'efforts ! Le contre, c'est aussi très beau à regarder. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse d'exécution et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. Mais on ne peut pas toujours finir avec la dentelle. Parfois, tu as le droit de finir avec le tambour, les trompettes et un zapatazo. Voilà, c'est reparti dans ce match et le score maintenant est de 2 buts à 1. La fin du match et donc 3 points de plus et une victoire à l'extérieur. Une victoire dans la douleur et qui est finalement arrivée en toute fin de match avec ce but de la délivrance. Ouais, facile, ça passe. Oh, ça peut être...